Une heure avant la rencontre, des trombes d'eau s'abattent sur le stade Gaston-Arbouin et compliquent donc sérieusement l'état du terrain. Autre complication pour les Troyens, la présence dans le camp d'en face de leur ex-coéquipier Olivier Bongeau, buteur inarrêtable. Alors, y avait-il un plan anti-Bongeau prévu samedi soir? Pas spécialement un plan anti-Bongeau, mais bon, on est allé chez eux il y a 8 jours. On a vu un peu les erreurs que l'on a commis pour, sur les buts. Et puis nous, on a répété un petit peu... C'est pas un plan anti-Bongeau, c'est simplement ne pas refaire les mêmes erreurs. Il commence par se mettre en valeur, le doubiste, avec ce coup franc de peu au-dessus. Et à la 19e minute, l'ancien goléador du championnat d'Allemagne est bien proche de trouver l'ouverture, mais Perea veille au grain. On verra un peu plus les hommes de Philippe Lenoir dans le second quart-temps, et notamment Julien Lenoir à la 22e minute. Il n'est pas loin de tromper Aigri. Ce sera fait 7 minutes plus tard sur une frappe puissante, 1-0 pour le Suma. Mais bientôt 1-1 par l'intermédiaire de l'inévitable Olivier Bongeau. Perea, heureusement, évitera le pire en fin de première période en écartant 2 tentatives visiteuses. Dans le 3e quart-temps, le Suma coule avec cette nouvelle réalisation de Bougazi, surprenant Perea. Mais pire encore, le portier au bois va perdre ses nerfs et récolter un carton vert, l'excluant du terrain. C'est alors au tout jeune Emmanuel Terrain d'entrer sur le stade pour la première fois. Un petit coup de pression qui est monté parce que bon, c'est vrai que c'est la première fois que je joue en première. Et c'est vrai que là, rentrer dans cette période, alors que déjà on est mené au score. Un Terrain qui fera face aux offensives doubistes, il ne pourra rien toutefois à la 65e minute avec de nouveau Bongeau dans le rôle du crucificateur. 3-1 et puis 4-1 grâce à un nouveau but de Bongeau qui profite d'un poteau rentrant. Les Sumaïstes réduiront tout de même le score à 5 minutes de la fin par Julien Lenoir. Boujocourt se paiera même le luxe de manquer un pénalty. 4-2, les doubistes se qualifient pour les demi-finales. Quant à 3, ils sont toujours à la recherche de leur première victoire.